Mettez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Liberté financière de Grand Sabatier est un guide pratique pour atteindre l'indépendance financière et vivre sa vie comme on l'entend. Monsieur Sabatier partage son parcours personnel, qu'il a mené de la pauvreté à la liberté financière à un jeune âge, et propose aux lecteurs des mesures concrètes à suivre. Voici les leçons et les concepts clés du livre, accompagnés d'exemples expliqués. 1. Redéfinir la liberté financière. La liberté financière ne consiste pas seulement à disposer d'une grosse somme d'argent, mais plutôt à avoir suffisamment de revenus passifs pour couvrir ses dépenses et vivre sa vie comme on l'entend. Sabatier présente le concept de la règle des 4%, qui suggère que si vous pouvez accumuler des actifs équivalents à 25 fois vos dépenses annuelles, vous pouvez retirer en toute sécurité 4% de votre portefeuille chaque année pour couvrir vos frais de subsistance indéfiniment. Par exemple, si vos dépenses annuelles s'élèvent à 40 000 dollars, il vous faudrait un portefeuille d'un million de dollars pour atteindre la liberté financière. 2. Maximisez votre potentiel de revenus. Augmentez votre potentiel de revenus en tirant parti de vos compétences, en recherchant des opportunités mieux rémunérées et en diversifiant vos sources de revenus. Madame Sabatier encourage les lecteurs à explorer les activités annexes, le travail à la pige ou la création de leur propre entreprise afin d'augmenter leurs revenus. Par exemple, si vous êtes passionné de photographie, vous pouvez proposer vos services pour des événements ou des plateformes de photos d'archives afin de générer un revenu supplémentaire. 3. Maîtriser ses dépenses. Pratiquez des dépenses réfléchies en suivant vos dépenses, en donnant la priorité à vos valeurs et en minimisant les dépenses inutiles. Madame Sabatier insiste sur l'importance de suivre ses dépenses pour identifier les domaines où l'on peut faire des économies. Par exemple, L'utilisation d'applications de budgétisation ou de feuilles de calcul pour classer vos dépenses peut vous aider à voir où va votre argent et à faire des ajustements en conséquence. Avant de continuer, bienvenue sur la chaîne, Le Mental Parfait, où nous tirons les concepts clés de chaque livre publié sur la chaîne, afin d'approcher la vie et ses nombreux aspects, avec plus de hauteur. Prenez le temps de mettre un pouce vers le haut pour soutenir la chaîne et de vous abonner pour plus de contenu. Bonne écoute. 4. Investir pour la croissance. Investissez judicieusement votre épargne pour faire fructifier votre patrimoine au fil du temps et accélérer votre cheminement vers l'indépendance financière. Monsieur Sabatier préconise d'investir dans des fonds indiciels à faible coût, qui offrent une large exposition au marché et des rendements historiquement plus élevés que les fonds gérés activement. Par exemple, investir dans un portefeuille diversifié de fonds indiciels vous permet de bénéficier de la croissance globale du marché tout en minimisant les frais et les risques. 5. Exploiter la puissance des intérêts composés. Tirez parti des intérêts composés en commençant à investir tôt et régulièrement, ce qui permet à votre argent de croître de façon exponentielle au fil du temps. Sabatier illustre l'impact du fait de commencer à investir tôt en comparant deux investisseurs hypothétiques, l'un qui commence à investir à l'âge de 25 ans et l'autre qui commence à l'âge de 35 ans. En supposant que les deux investissent 10 000 par an avec un rendement annuel moyen de 7%, L'investisseur qui commence à 25 ans aurait un patrimoine beaucoup plus important à l'âge de 65 ans en raison de l'horizon temporel plus long pour que les intérêts composés fassent leur œuvre. 6. Adopter le minimalisme et la vie intentionnelle. Cultiver un mode de vie minimaliste axé sur les expériences et les liens significatifs plutôt que sur les possessions matérielles. Madame Sabatier encourage les lecteurs à évaluer leurs possessions et à éliminer le désordre afin de libérer de l'espace pour ce qui compte vraiment. Par exemple, la vente d'objets inutilisés, l'achat d'une maison plus petite ou l'adoption d'une garde-robe minimaliste peuvent permettre de réduire les dépenses et de simplifier la vie. 7. Créer plusieurs sources de revenus. Diversifier ses sources de revenus pour créer de la stabilité et de la résilience dans sa vie financière. Monsieur Sabatier suggère d'explorer diverses sources de revenus passifs telles que les propriétés locatives, les actions donnant droit à des dividendes, les prêts entre pairs ou la création de produits numériques. Par exemple, la propriété locative peut fournir un flux régulier de revenus locatifs, tandis que les actions à dividendes offrent des dividendes réguliers sans nécessité d'implication active. 8. Prendre des risques calculés. Être prêt à prendre des risques calculés et à sortir de sa zone de confort pour saisir les opportunités de croissance et d'enrichissement. Monsieur Sabatier encourage les lecteurs à se lancer dans l'entrepreneuriat ou à investir dans leurs compétences et leurs formations afin de saisir de nouvelles opportunités. Par exemple, la création d'une entreprise, la poursuite d'études ou de certifications, ou l'exploration de nouvelles carrières peuvent conduire à des revenus plus élevés et à l'indépendance financière. 9. Cultiver un état d'esprit de croissance. Adopter un état d'esprit de croissance axé sur l'apprentissage continu, l'adaptabilité et la résilience face aux défis. Monsieur Sabatier souligne que les revers et les échecs sont inévitables sur le chemin de la liberté financière, mais qu'ils peuvent aussi constituer des expériences d'apprentissage précieuses. Par exemple, si une entreprise échoue, au lieu d'abandonner, vous pouvez analyser ce qui n'a pas fonctionné, apprendre de vos erreurs et appliquer ces leçons à vos projets futurs. 10. S'épanouir au-delà de l'argent. Reconnaître que le véritable épanouissement vient de la poursuite de passion, de la contribution aux autres et de l'encouragement de relations significatives. Sabatier encourage les lecteurs à identifier leurs valeurs fondamentales, leurs passions et leurs centres d'intérêt et à aligner leurs activités sur ces derniers. Par exemple, Faire du bénévolat, s'adonner à des passe-temps créatifs ou passer du temps de qualité avec ses proches peut procurer un sentiment d'utilité et d'accomplissement au-delà des réalisations financières. Ces leçons tirées de liberté financière de Grande Sabatier offrent des conseils pratiques et des étapes à suivre pour atteindre l'indépendance financière et vivre une vie épanouie selon ses propres termes. En mettant en œuvre ces stratégies et en cultivant un état d'esprit axé sur la croissance, l'intentionnalité et l'objectif, les lecteurs peuvent prendre le contrôle de leur avenir financier et créer une vie d'abondance et d'épanouissement. N'hésitez pas à laisser un livre que vous aimeriez voir publié en commentaire. Participez aussi à la croissance de la chaîne en faisant un don, et en attendant le prochain audio, n'oubliez pas. Le savoir n'est rien sans la compréhension, qui n'est rien sans l'application. Au plaisir de vous revoir bientôt sur la chaîne, Le mental parfait. Perfect.